nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Barbier, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Aujourd'hui, 3 avril 2011, soit 90 ans après, nous sommes réunis pour l'inauguration d'un monument dédié à la mémoire des médaillés militaires de Meurthe-et-Moselle morts pour la France. À notre connaissance, notre monument est le premier à être érigé depuis cette époque.
Depuis plusieurs années, une certaine intelligentsia est plus prompte à vanter les mérites de ce qu'elle appelle les Romains des bois modernes qu'à honorer la mémoire de celles et de ceux qui, au prix de leur vie, ont défendu et défendent encore les valeurs qui soudent un pays et ses habitants. Savons-nous aujourd'hui que nos jeunes soldats tués ou blessés en opération se voient conférer la médaille militaire? Les médaillés militaires restent des héros peu connus, voire anonymes, artisans modestes et silencieux, serviteurs inlassables de la patrie. Ils ont trouvé leur juste récompense dans l'attribution de la médaille militaire. On nous oubliera. Le temps inexorablement fera son œuvre. Les soldats mourront une seconde fois, a écrit Roland d'Orgelès. Comment honorer et garder la mémoire de tous les médaillés militaires qui, depuis 1852, par leur sacrifice, ont permis de vivre libre dans un pays démocratique? Pour nous, médaillés de ce département, tant de fois meurtris au siècle dernier, l'idée d'une stèle s'est rapidement imposée pour témoigner et participer, certes modestement, au devoir de mémoire. Les lieux ne manquaient pas dans notre département pour élever ce monument. Notre choix s'est porté sur la cité de Pont-à-Mousson, cité chargée d'histoire, aisément accessible et située au centre du département, voire même au centre de la Lorraine. Valeur et discipline, telle est la devise de la médaille militaire. Notre devise caractérise le fondement de celui qui unit dans la même distinction les militaires les plus valeureux et les plus désintéressés. Tous ceux qui savent faire face ou qui ont su faire face, quelles que soient les circonstances, les fonctions, les missions. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir au sein de la grande famille de la médaille militaire. Vive la médaille militaire, honneur à ceux qui la portent. La ville de Pont-à-Mousson est une ville chargée d'histoire, le président Poupelle vient de le rappeler. Elle possède déjà un certain nombre de monuments importants. Il y a le monument aux morts de la place Foch, qui est le monument officiel. Il y a le monument des FFI, qui est place Thiers. Il y a un autre monument qui est un peu moins connu, et qui se situe au cimetière, qui est le monument de la guerre de 1870, puisque Pont-à-Mousson n'a pas été épargné par les différents conflits qui se sont succédés. Il y a également le monument des passeurs, boulevard de la de Tassigny, sur le square Winston Churchill. Il y a également un monument qui est moins connu encore, mais qui est encore plus symbolique du positionnement de Pont-à-Mousson et de son rôle durant la Première Guerre mondiale, qui est le monument de la Patte d'Oie, qui est situé juste à la limite du Bois le Prêtre. Et puis, à partir d'aujourd'hui, il y a ce monument qui est dédié aux médaillés militaires. La médaille militaire est quelque chose d'important. C'est une médaille qui a été créée par Napoléon. Et peut-être que d'avoir choisi la ville natale de Duroc, qui était un des très proches de Bonaparte, était peut-être un des éléments du choix de Pont-à-Mousson. Et merci d'avoir choisi donc notre cité pour y implanter ce monument. Notre ville a, comme je vous l'ai dit, beaucoup souffert des différents conflits. Et elle est titulaire également de la Légion d'honneur qui lui a été remise après la guerre de 14-18, puisqu'à peu près 60% des bâtisses de notre ville ont été démolies ou atteintes, en tout cas, pendant ce conflit. La ville a beaucoup souffert. Elle a également la croix de guerre de 1914-18. Tout cela pour rappeler l'importance dans notre histoire et l'histoire récente, certes pour les plus jeunes, et je salue la mascotte qui était là tout à l'heure, pour les plus jeunes, ça fait très loin, ça fait une éternité, mais il y a deux siècles, il y a un siècle, on se battait à Pont-à-Mousson pour sauvegarder les valeurs de notre patrie. Témoignage émouvant du passé, cette stèle permettra à tous, et en particulier aux jeunes lycéens, de garder présent en eux le souvenir des sacrifices consentis par leurs aînés pour nous permettre de vivre aujourd'hui dans un pays libre. Je sais que l'Union départementale, aux côtés de la centaine d'associations présentes dans le département, poursuit son œuvre de conservation de la mémoire des conflits passés, des actes héroïques des médaillés et de défense des intérêts des anciens combattants. Au nom de l'État, l'Office national des anciens combattants, dont les deux missions essentielles sont la préservation de la mémoire et le renforcement de la solidarité, sont au service des associations comme la vôtre pour vous aider dans votre œuvre d'entraide et de souvenir.
je tenais à le rappeler. Je voudrais également revenir quelques instants sur ce qui fait la particularité de cette décoration, de cette médaille des braves, comme on se plaît parfois à la nommer. Décoration prestigieuse et égalitaire à la fois, elle récompense les combattants sans considération de grade, mettant sur un pied d'égalité ceux auxquels elle est attribuée, du plus humble au plus prestigieux. Sous la devise « valeur et discipline », elle est placée immédiatement après la Croix de la Libération, en troisième position par rapport à la Légion d'honneur, c'est dire sa valeur inestimable. Du souvenir des actes de bravoure du passé à l'évocation des actes de bravoure du présent, il n'y a qu'un pas. J'ai donc une pensée aujourd'hui pour les soldats français, dont certains basés tout près d'ici, les soldats français donc qui se battent en Libye, en Afghanistan, pour que la liberté retrouve ses droits. Ils peuvent être fiers des regards que portent sur eux les Français et l'ensemble de la communauté internationale et de l'espoir qu'ils suscitent auprès des populations opprimées. Monsieur le maire, colonel, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette cérémonie sobre et émouvante et d'apporter votre contribution à la perpétuation de la mémoire des sacrifices des combattants. Je vous remercie.